C'est parti. Incroyable. Bonjour à tous. Merci Nicolas de nous rejoindre aujourd'hui pour ce live chat Facebook qui va nous parler du lancement de son MOOC, Devenir freelance. Il va nous parler de ses aventures et de comment il en est venu à mettre en place ce MOOC. Alors Nicolas, on va commencer avec les questions que les co-homers nous ont posées. Et la première question, c'est peux-tu nous expliquer comment tu es devenu freelance ? Alors déjà, merci beaucoup de me recevoir. Alors, comment je suis devenu freelance, l'histoire est assez rigolote. Je vais faire un peu de storytelling du coup. Faut savoir que j'ai arrêté mes études à 20 ans parce que j'étais pas vraiment fait pour ça et mes profs étaient plutôt d'accord avec moi. Donc je suis parti explorer le monde avec un bac plus 2 en poche. Ça arrive souvent, ça arrive souvent. Et je me suis retrouvé salarié dans une banque, HSBC pour ne pas la nommer. Et ça s'est très très mal passé, de dédicace à HSBC. Et du coup, ce qui s'est passé, c'était tout ce qu'on peut redouter dans le salariat en fait. C'est-à-dire du harcèlement moral, aucune réappropriation du travail, aucune volonté de laisser le salarié s'épanouir. Et ça, ça a été ma première vraie expérience de travail, en fait. Et ça a duré combien de temps, cette expérience ? Ça a duré 4 mois. D'accord. Voilà. Et du coup, ça a été à 20 ans. Donc, je vous laisse imaginer un petit peu cette expérience à 20 ans. Et du coup, ça m'a amené à beaucoup réfléchir sur la manière dont les individus pouvaient se réapproprier leur travail, en fait. Et du coup, c'est à cette période-là que je me suis intéressé à l'entrepreneuriat. J'ai commencé à beaucoup lire et je me suis rendu compte à ce moment-là que être entrepreneur, c'était pas seulement aller, je sais pas moi, dans un café avec son MacBook et essayer de refaire le monde. Ça marche pas comme ça, ça demande beaucoup de travail. C'était plus compliqué. Ouais, c'était effectivement plus compliqué et du coup, j'ai repris mes études en fait à ce moment-là. Et j'ai repris en com parce que j'avais déjà un bac plus 2 dans la communication. Du coup, j'ai continué sur cette voie-là. Par contre, j'ai profité de tous mes stages pour acquérir de l'expérience dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai fait des stages en start-up. Et au final, j'avais trouvé un stage de fin d'études en Master 2 dans une start-up à Paris. Et la start-up a coulé 3 jours avant que je rentre en stage. D'accord. Voilà, donc ils m'ont appelé le vendredi pour le lundi, ils m'ont dit en fait, on peut pas parce qu'on est, on va fermer. En fait, voilà. Ouais. Du coup, je pense que c'est un signe du destin parce que ce qui s'est passé derrière, c'est que j'ai fait mon stage de fin d'études chez WeShare. Donc WeShare, pour ceux qui connaissent pas, c'est un think tank et do tank de l'économie collaborative. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est simplement des gens qui font des projets dans le but de créer, de co-construire une société collaborative. Et tous ces gens, en fait, c'est des freelances, c'est des entrepreneurs. Et je me suis retrouvé à 25 ans, parce que j'avais arrêté les études pendant un petit moment, donc j'avais un petit peu de retard. Je me suis retrouvé à 25 ans en stage de fin d'études avec des gens qui étaient juste à peine plus âgés que moi, certains même étaient plus jeunes que moi, qui étaient tous entrepreneurs, freelance, indépendants, qui avaient repris le contrôle de leur vie professionnelle. Et donc ça t'a stimulé et tu t'es dit... Ça m'a stimulé et ils étaient en train donc déjà de se changer eux, de prendre le contrôle de leur propre vie et aussi d'avoir un impact sur la société tout autour d'eux en fait. Et voilà, et donc c'est comme ça, en observant des entrepreneurs au fil des 3 années de licence Master 1, Master 2, que j'ai observé tous ces gens qui avaient quasiment mon âge ou parfois même des gens plus âgés et qui faisait des choses qui comptaient. Et à partir de là, je me suis dit que cette manière de travailler, elle me correspondait beaucoup plus. Donc, c'est parfait enchaînement pour ma deuxième question. Pourquoi as-tu décidé de créer ce MOOC qui est accessible à tous et entièrement gratuit pour, je le rappelle, devenir freelance ? Exactement, ouais. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fini mon stage de fin d'études, je me suis lancé directement, donc j'avais 25 ou 26 ans. Et j'avais toute la bonne volonté du monde avec moi, mes quelques menues compétences. Et je me suis dit, j'ai vu des gens en fait, autour de moi, ces gens chez WeShare, réussir, faire des choses incroyables. Et je me suis dit, tu vas faire pareil. C'est vrai que WeShare, c'est un bon moyen d'être stimulé et d'avoir des bons exemples de succès. Exactement, sauf que le petit biais qu'il peut y avoir, c'est qu'en fait, les gens chez WeShare, ce que je n'avais pas réalisé à l'époque, c'est qu'ils faisaient ça depuis 3 ans, c'est qu'ils avaient beaucoup d'expérience, c'est qu'ils avaient des diplômes
très reconnus, ils avaient étudié, enfin ils avaient beaucoup d'expérience et des expériences que moi je n'avais pas. J'avais fait quelques stages dans l'entrepreneuriat, j'avais ma culture personnelle, mais j'avais jamais expérimenté ça de front en tout cas. Et du coup, de front, c'est une très bonne expression parce que j'ai vraiment pris le freelancing de front. Dans la tronche, en fait. Dans la gueule, effectivement. Voilà, il était là, il est venu sur moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait toutes les erreurs du freelance, quoi. D'accord. C'est-à-dire dans la définition de l'offre, dans la manière de fixer ses prix. La posture du freelance, la vente. Voilà, toutes les erreurs qu'on peut faire, je les ai faites. Et du coup, là, ça fait maintenant 3 ans que je suis en freelance. J'espère réussir à dépasser un petit peu ces erreurs-là. Et je me suis dit qu'il était temps pour moi en freelance de porter un projet qui me dépassait un petit peu, quoi. C'est-à-dire d'essayer d'aider les gens et de dépasser cette posture où en tant que freelance, on travaille pour soi et on essaye de faire des projets qui ont un impact sur la société. D'accord. Et donc du coup, je me suis dit... Allons-y, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens? Et la réponse qui m'a semblé la plus naturelle, c'était de développer un MOOC sur le freelancing. D'accord, alors justement, juste avant cette vidéo, on parlait un petit peu des points faibles des freelances et des points faibles que toi-même tu avais vécu. Alors qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les points faibles des freelances que tu as pu détecter ou que tu as pu même expérimenter et quelle réponse en fait tu apportes avec ce MOOC? Et je crois même que tu as une bonne anecdote à nous partager justement par rapport à ça. Alors en fait, quand on parle de points faibles des freelances, je pense pas qu'on puisse généraliser en fait. Il n'y a pas un point faible du freelance. C'est pas la fonction, c'est pas l'activité qui fait le point faible ou le point fort. C'est la personnalité des gens, c'est les expériences en fait. Et du coup, moi ce qui s'est passé, mon point faible personnel, ça a été, et c'est là que l'anecdote va suivre, mon point faible personnel, ça a été dans la définition de mon offre en fait. Donc je vais vous raconter une petite anecdote qui est assez rigolote en fait. Souvent les freelances se trompent et pensent que la légitimité elle est innée, c'est-à-dire qu'elle vient d'une certaine de force supérieure et qu'on dit cette personne est légitime pour faire telle ou telle action. Et en fait c'est pas vrai, en fait la légitimité elle se construit en fait. Il y a personne qui va pouvoir vous dire vous avez le droit de faire ça ou vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est à vous d'être actif et de démontrer que vous pouvez le faire. Et du coup ça, je l'avais bien compris. Et voilà ce qui s'est passé, c'est-à-dire que dès que je me suis lancé en freelance, j'ai envoyé un mail à tout mon réseau. C'est quelque chose que je conseille d'ailleurs dans le MOOC et qui marche plutôt bien. Vous avez forcément un réseau, vous envoyez un mail, vous dites voilà, je suis en train de faire ça. Est-ce que tu serais ou vous seriez d'accord pour m'aider? Est-ce qu'on peut se rencontrer? Et je l'ai fait et en fait, j'ai eu 5 rendez-vous, peut-être même 6, avec des directeurs de l'innovation parce que c'était un peu le secteur dans lequel je voulais évoluer. Mais d'entreprises incroyablement plus grandes que moi. C'est-à-dire j'ai vraiment eu des rendez-vous avec des boîtes qui avaient 10 ou 15 000 salariés, voire même je crois qu'il y en avait une qui avait 40 000 salariés, des boîtes internationales. Et j'ai eu des rendez-vous avec les numéros 2, 3, 4 de ces boîtes-là. Et il y a une de ces entreprises, j'arrive à l'accueil, et la personne me dit « Vous venez voir qui ?» Donc je dis le nom de la personne. Et elle me dit « Oula, vous allez à l'étage des grands chefs ?» D'accord, je ne savais pas, parce qu'évidemment, comme tout freelance débutant, je ne m'étais pas assez renseigné sur mon rendez-vous. Et en fait, du coup, elle me dit, suivez-moi, vous êtes à l'étage. Et en fait, elle rentre dans l'ascenseur et elle doit saisir un code en fait, dans l'ascenseur. Parce que c'était un étage... L'ascenseur bunker. C'est un étage qui était sécurisé, donc j'allais vraiment à l'étage du top management quoi, de la boîte, de la multinationale. Et du coup, je me retrouve avec, en face d'une personne... qui est numéro 3 ou 4 de la boîte. Et alors ça, première petite digression, c'est simplement pour revenir sur cette question de légitimité. Ce qui m'a donné le droit, entre guillemets, de parler à cette personne, c'est simplement le fait que je suis allé lui parler, je suis allé lui demander, en fait. Je lui ai dit, est-ce que vous seriez intéressé pour qu'on discute, quoi? Et la personne m'a dit oui. Ce qui est bien la preuve que vous n'avez pas besoin d'une légitimité très forte, ou en tout cas d'une légitimité qui serait venue de X ou de Y pour proposer un produit ou proposer une offre. En revanche, ça n'excuse pas le fait de ne pas avoir une offre bien définie. Et je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement parce que cette personne m'a reçu. Et en fait, il s'est avéré qu'il y avait une... Ça ne collait pas entre ce que je proposais et ce que cette personne recherchait, entre l'offre et la demande. Tout simplement pour une question d'échelle. C'est-à-dire que moi, mon service, je le proposais à l'échelle nationale et cette personne recherchait un service à l'échelle internationale. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que
Ça, on l'a découvert au bout de peut-être 3-4 minutes de rendez-vous, en fait. Et du coup, j'avais une heure prévue avec cette personne. Et là, je suis hyper gêné. Je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Enfin, cette personne va me dire, au revoir, vous pouvez partir. Et ça aurait été le rendez-vous. C'était sympa, mais à bientôt. Voilà, et ça aurait été le rendez-vous le plus court de l'histoire du freelancing, quoi. En fait, non. Cette personne, qui est pourtant, j'imagine, très occupée, a discuté avec moi pendant une heure. Ça m'envoie encore une petite digression, simplement que les gens vous veulent du bien, en fait. Quand vous travaillez en freelance, il ne faut pas avoir peur des gens. Par contre, la nécessité absolue, et c'est là que je reviens à ta question, c'est la définition de l'offre, en fait. Vous pouvez être légitime, vous allez avoir des gens très gentils en face de vous, mais si vous n'avez pas une offre qui est bien définie et qui correspond aux attentes des personnes que vous rencontrez, ça ne fonctionnera pas. Du coup, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai effectivement rencontré 5 dirigeants d'entreprise, enfin quasiment dirigeants d'entreprise, de très grosses entreprises, mais je n'ai rien signé. Je n'ai signé aucun rendez-vous. Donc du coup c'est un peu la donc, finalité en fait, de cette histoire. Si je résume un peu ton propos sur en fait les points faibles, c'est surtout des points faibles qu'on se met tout seul, c'est-à-dire qu'on peut avoir une crainte de légitimité qui est totalement illégitime finalement. Exactement. Comme tu me l'as dit tout à l'heure, en fait la légitimité s'acquiert, se construit. Exactement. Mais aussi parce qu'on pense en être capable. Et il y a aussi le fait qu'effectivement il faut se préparer à faire des bonnes prestations, il faut avoir finalement se confronter à la réalité, c'est ce qui ça. Fait que parfois malheureusement ce qu'on propose ça ne correspondra pas à ce qui est demandé par le client. Mais c'est une bonne manière d'apprendre à construire. Ouais, alors l'idéal c'est quand même de l'anticiper dans la mesure du possible. Il y a des bonnes questions qu'on va voir dans le MOOC qui commence d'ailleurs le 17 avril, les cours commencent le 17 avril, donc je vous invite à vous inscrire. On vous mettra le lien en commentaire évidemment pour que vous puissiez vous inscrire. Il y a effectivement quand même des bonnes questions à se poser, quoi. C'est-à-dire qu'on peut effectivement, évidemment, vous allez apprendre des choses en le faisant, c'est comme ça que ça marche l'entrepreneuriat. Mais dans la définition de l'offre et de la cible, il y a des questions qu'on peut se poser en amont qui vont vous permettre effectivement d'éviter ce genre de déconvenu. Même si au final, ce rendez-vous, je ne le considère pas du tout comme une déconvenue. Ouais, en fait. Ouais. Tu as pu en retirer justement une expérience. C'est une expérience très positive. Mais ça aurait été une expérience encore plus positive que j'aille voir cette personne avec une offre qui lui corresponde parfaitement, qu'on s'entende bien, qu'on discute pendant une heure et qu'à la fin, elle me signe une mission à 10 000 euros. Ça aurait été encore mieux. J'en garde que cette expérience et la chance d'avoir parlé avec une personne aussi intéressante, parce qu'on a discuté après pendant une heure. Ouais. De mon activité, de leur activité, de comment on pouvait éventuellement travailler ensemble, ce qui est quand même assez exceptionnel. Ouais. Mais alors justement, pour continuer sur ta lancée, quels sont les modules aujourd'hui que tu proposes dans le MOOC Devenir Freelance? Parce que ça vient de ton expérience, ça vient de quelque chose que tu as synthétisé, où tu t'es dit ça, c'est vraiment le cœur de ce qui permet aujourd'hui de lancer une activité dans la sérénité qui peut être accessible à tous facilement et puis en plus gratuitement. Donc qu'est-ce que tu proposes dans ces 4 modules? Alors voilà, tu l'as dit toi-même, le MOOC il est constitué de 4 modules. Ouais. Le parti pris sur cette formation, c'était de rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai conçu la formation, j'avais commencé par un module un peu lifestyle, style de vie, qu'est-ce que ça veut dire d'être un freelance, quel est le tempérament du freelance, où travaille le freelance, quand est-ce qu'il travaille, comment il gère son emploi du temps. Voilà, vraiment quelque chose d'accès sur le mode de vie du freelance. Et en fait, après avoir discuté avec Yannick Petit, qui est le cofondateur de Youno et qui est un des partenaires principaux du MOOC, ils m'ont accompagné sur toute la partie production. Ce qui est ressorti de cet entretien, c'est qu'il m'a dit il faut rentrer dans le vif du sujet directement. Parce que, eux sont évidemment habitués à faire des formations en ligne. Donc c'est des bons professeurs justement sur comment arriver à exactement. Bien transmettre. Et du coup j'ai trouvé un entre-deux en fait. C'est-à-dire que j'ai effectivement, parce que ça me semblait important, mis l'accent sur la réalité du freelancing. Le tempérament du freelance, d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire être freelance. Et ensuite on entre directement dans le vif du sujet avec l'offre, comment définir son offre et comment définir ses prix. Voilà, c'est ce qui me semble très important. Après dans le module 2, on va voir tout ce qui est marketing et vente, en fait. C'est-à-dire comment marketer son offre, comment se marketer soi-même, comment développer son réseau, comment vendre ses prestations. Voilà. Donc là, encore une fois, c'est très concret. La formation, de toute façon, a vocation à être très, très concrète. Et ensuite, module 3, les démarches administratives. Donc ça, c'est le petit chouchou de tout le monde. C'est le module qui fait peur. D'ailleurs, ouais. C'est mon chouchou à moi aussi. Il faut savoir que j'ai écrit toutes les vidéos, je me suis fait accompagner pour ça
d'experts, chacun spécialiste de domaine. Il y en a certaines que j'ai écrites seules, d'autres où j'ai été accompagné. Voilà. Et il faut savoir effectivement que le module 3, qui touche au juridique et à l'administratif, ça a été la grosse difficulté de ces 3 mois ou 2 mois et demi depuis que j'ai commencé à développer ce projet. Et là, on va voir comment choisir son statut, la fiscalité, les cotisations sociales. Enfin, vous voyez, que des choses très joyeuses. Et tout ça dans des vidéos de 5 minutes. Donc voilà, si vous voulez vous aussi vous amuser à résumer des livres de 500 pages en 600 mots, sachez que c'est très compliqué. c'est pas un exercice très facile à faire. Mais on a essayé de faire au mieux. En tout cas, sans donner toutes les réponses, parce que je pense pas que ce soit possible en 5 minutes. Mais en tout cas, en donnant des clés qui vont permettre aux freelances qui sont en train de se lancer ou qui sont lancés il y a quelques temps de comprendre à qui s'adresser, quel vocabulaire chercher et d'avoir une vision globale des statuts du freelance. Et le quatrième module, ça va être une ouverture un peu plus effectivement sur le style de vie, où travailler, quand travailler, c'est-à-dire comment gérer son emploi du temps. Après, on parle un petit peu aussi des communautés de freelance, c'est-à-dire quand on a compris comment travailler en freelance, on peut aussi ne plus vouloir travailler seul. On peut faire effectivement du co-homing, on peut aller bosser aussi dans des espaces de coworking, mais c'est pas toujours évident de faire des projets à plusieurs quand on fait du coworking. C'est pas parce que vous bossez avec des gens que vous allez forcément que vous bossez dans le même lieu que des gens que vous allez forcément développer des projets avec eux, ce qui est peut-être d'ailleurs plus facile avec le co-homing puisqu'on y a, j'imagine qu'il y a une relation qui est beaucoup plus proche. Donc ça c'est intéressant, et du coup ce dont je parle c'est les communautés de freelance. Donc c'est des communautés par exemple comme WeShare dont je parlais au début de ce live, où non seulement les gens travaillent ensemble, pas toujours, mais surtout quand ils travaillent ensemble, c'est pour développer des projets communs et pour faire des projets plus ambitieux. Et puis des projets à long terme justement qui sont construits et qui permettent qui ne sont pas des one-shot, mais qui permettent d'avoir un impact qui peut être justement lisible sur la durée. Exactement. Et du coup, la dernière vidéo, c'est développer son activité. C'est-à-dire, vous êtes freelance, ça marche. Comment on fait pour aller plus loin à partir de ça? D'accord. Comment on fait pour éventuellement créer une entreprise, recruter des gens? Là encore, une fois de plus, c'est fait pour vous ouvrir l'esprit des participants. Et leur montrer qu'effectivement c'est possible et que on n'est pas obligé de s'arrêter là et on peut aller vers d'autres chemins. D'accord. Alors une question du coup par rapport à ça, c'est que finalement les personnes qui vont suivre ce MOOC, qu'est-ce qui pour toi sera la plus grosse valeur ajoutée? Quelle serait avec tes mots en fait l'objectif final de quelqu'un qui va regarder ce MOOC? Est-ce que c'est vraiment pour les personnes qui démarrent de zéro? Est-ce que ça va être au contraire pour des gens qui même se posent des questions sur l'avenir de leur activité? Parce que finalement les questions sur la prospection, faire son offre commerciale, même son statut, c'est des choses qui évoluent énormément avec le temps et les besoins des freelances. Donc moi j'ai aussi l'impression que devenir freelance c'est aussi devenir freelance et comment le rester et où arriver à développer son activité. Ce qui est triste quand on dit, moi c'est un truc que je fais beaucoup évidemment, c'est aussi un peu comme ça que l'idée m'est venue, c'est que quand on est freelance depuis quelques années, je pense que les gens qui nous regardent et qui sont eux-mêmes freelance ont dû expérimenter ça, c'est que les gens viennent vous voir pour vous demander des conseils, pour vous dire là je vais me lancer, comment je fais pour définir mes prix, voilà. Donc c'est des questions qui reviennent très souvent. Et du coup le MOOC il est destiné à qui? Il est destiné, je dirais que ça va de la personne qui y songe, c'est-à-dire qui se dit peut-être que c'est fait pour moi, à la personne qui a créé son activité il y a 8 mois, je dirais 8 mois, un an, et qui n'arrive pas à stabiliser son modèle ou qui en tout cas se demande comment elle pourrait faire pour aller un petit peu plus loin. Ouais. Voilà, je pense que ça va de là à là, et c'est toutes ces personnes qui se situent entre ces deux plots, elles vont trouver leur bonheur dans la formation. Et le but, tu me demandais le but de la formation, le but c'est de créer son activité. Clairement, au bout des 4 semaines, vous aurez défini une offre, vous aurez défini vos prix, vous aurez eu le regard de tous les participants de la formation, parce que j'encourage les gens à échanger entre eux. Vous avez également la possibilité de souscrire à une offre de coaching pour avoir des réponses à toutes vos activités, à tous vos messages sur le forum, donc pour être vraiment accompagné pendant les 4 semaines de formation. Et l'idée, moi je veux qu'à la fin de cette formation, il y ait 1000 nouveaux freelances, qu'il y ait 1000 personnes qui aient repris en main leur vie professionnelle.
et qu'elle se lance dans le travail indépendant. Et qu'elle fasse des activités qui ont du sens pour elle, en fait. Parce que le sens, il n'y a que vous qui pouvez le trouver, en fait. Personne qui va vous dire ton activité, elle a du sens ou pas. C'est à vous de le déterminer, c'est à vous de faire quelque chose qui. Vous avez en tant que travailleur indépendant, vous avez le pouvoir de choisir votre activité. C'est quand même quelque chose qu'on voit rarement. Du coup, c'est l'occasion de faire quelque chose qui vous plaît, en fait, et qui vous fait vibrer, quoi. Complètement. Mais alors justement, dans les personnes que tu rencontres, parce que tu en rencontres beaucoup, des freelances en devenir, est-ce qu'il y a une question, toi, que tu entends si, par exemple, admettons, il y a un freelance qui te dit « j'hésite à devenir freelance, je ne sais pas tant si ce sera fait pour moi ». Est-ce que pour toi, il y a quand même un fondement ou une personnalité qui arrivera potentiellement mieux que d'autres, ou le freelancing, ça peut et ça devrait être accessible à tous à n'importe quel moment de la vie professionnelle? Je pense que vu la tendance du freelancing actuellement, donc je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 10% de freelance en plus par an chaque année en France. Donc vu si on prend en considération cette tendance, il y a de plus en plus de gens qui vont devenir freelance alors qu'ils n'y sont pas spécialement préparés, alors qu'ils n'ont peut-être pas le tempérament qui est fait pour être freelance. Mais du coup, à mon sens, si je devais analyser ça, je dirais que comme tout marché qui est en croissance, il y a tout un tas de services qui vont se développer autour. Et du coup, dans ces services, va forcément y avoir des personnes qui vont accompagner les freelances pour leur simplifier la vie, en fait. Ouais. Du coup, aujourd'hui, effectivement, j'aurais tendance à dire que le freelancing est quand même destiné à des gens qui ont un tempérament assez, comment dire, assez entrepreneurial. Je sais pas si entreprenant, assez entrepreneur. Ouais. J'ai décidé de ne plus parler français. non, vraiment des gens qui ont envie de croquer. C'est sûr que là, aujourd'hui, pour se lancer en freelance, il faut quand même avoir une certaine motivation, il faut avoir envie d'aller voir des clients, de leur parler, de se mettre un petit peu en avant. Ouais. Encore que, et c'est pour vous montrer que tout ça, c'est quand même, il n'y a pas de vérité absolue sur le profit type du freelance. Dans les vidéos du MOOC, j'évoque à un moment donné, dans la partie marketing, le fait que pour se lancer en freelance, on n'est pas obligé de faire du personal branding à balles, de dire « c'est moi le meilleur », d'avoir un site internet, un LinkedIn avec des petites étoiles qui volent partout au-dessus de votre tête parce que vous êtes le meilleur dans ce que vous avez fait. Non, pas du tout. Il y a mille et une manières de promouvoir son offre. Mm-hmm. Et petite astuce aujourd'hui, si vous posez la question, c'est que au lieu de faire du personal branding, vous pouvez faire ce qu'on appelle de l'inbound marketing. Et au lieu d'aller vers vos clients et de vous mettre en avant, c'est de les faire venir à vous en proposant du contenu très intéressant. Et ça s'articule très bien avec le module 1, c'est-à-dire la définition de l'offre et le choix de votre cible. Si vous avez une offre, ce qu'on appelle un product market fit, si vous avez une offre qui est idéalement adaptée à votre cible et que vous proposez du contenu intéressant à cette cible et que le marché est prêt, les gens vont venir vers vous en fait pour vous poser des questions et pour travailler avec vous. Alors c'est un peu évidemment idéaliste, il y a beaucoup de travail derrière, ça se fera pas en un jour, mais c'est pour vous dire que c'est pas parce qu'on est freelance qu'on est obligé d'être une star et de parler devant des scènes de 500 personnes. J'en suis totalement incapable. Effectivement, chacun a ses qualités et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une vision du freelancing qui commence à être très américaine, en tout cas c'est un peu ce que j'ai perçu, où effectivement il faut arriver à dégager un personal branding qui est impressionnant. Quelque chose qui donne confiance et qui permet en fait finalement, si on revient à la question de la légitimité, c'est que si vous n'avez pas le LinkedIn, le site internet, qui est quelque chose qui est vraiment carré, c'est un peu le cordonnier le plus mal chaussé, on va peut-être considérer que vous n'êtes pas suffisamment bon dans ce que vous proposez. Potentiellement, ça peut être un risque. Je suis d'accord avec toi, j'ajouterais quand même un bémol, c'est-à-dire que le personal branding en ligne, il peut être compensé par une bonne présence en réel, quoi. Ouais, si vous avez un réseau très solide, Et des gens, je veux dire, proches de vous. Si vous avez des gens qui sont proches de vous, des professionnels que vous côtoyez régulièrement, logiquement, vous n'avez pas peur d'aller les contacter. Donc, en fait, on peut compenser le quantitatif par du qualitatif. Mm-hmm. Je pense que ce n'est pas une erreur de dire ça. C'est-à-dire, si vous apprenez à connaître vos prospects, que vous discutez avec eux, toute cette timidité ou en tout cas cette crainte à faire du personal branding, elle peut s'envoler. D'accord. Alors justement, une de mes dernières questions, c'était quand tu t'es lancé en freelance, qu'est-ce que tu aurais fait de manière différente si tu avais eu accès à ce MOOC ?
Est-ce que ta vie aurait été différente? Est-ce que tu aurais décroché le fameux rendez-vous dont tu as parlé tout à l'heure, qui était mémorable? La bonne nouvelle pour vous qui allez suivre ce MOOC, c'est que je trouve que j'ai bien fait mon taf, quoi. C'est que ce MOOC m'aurait beaucoup aidé. J'aurais adoré avoir ce MOOC. Ça aurait été génial. Effectivement, ce rendez-vous se serait passé d'une manière totalement différente si j'avais eu ce MOOC à ma disposition. Et qu'est-ce qui aurait changé? C'est la définition de mon offre. C'est-à-dire que je serais arrivé face à ce monsieur et j'aurais dit directement, bon ben voilà, moi je suis basé sur une échelle locale, peut-être que j'aurais attendu avant de le rencontrer, avant de développer un réseau à l'international pour avoir une offre qui correspond vraiment, je leur ai demandé de devenir mon mentor, enfin, j'aurais peut-être fait tout un tas de choses pour éviter qu'on se rende compte sur place que je ne pouvais pas travailler pour lui, tout simplement parce que, pas parce qu'il y avait une certaine animosité ou parce qu'il était, il était très content de m'avoir reçu, ce monsieur, c'est ça qui est important. Simplement parce que la valeur ajoutée de ce que je proposais ne lui correspondait pas à lui, elle aurait pu correspondre à quelqu'un d'autre, mais à lui, elle ne lui correspondait pas. Du coup, oui, ce MOOC m'aurait sauvé, pas la vie, mais en tout cas, aurait changé les premiers mois de mon activité. Mm-hmm. En gros, l'objectif de ce MOOC, c'est de vous faire gagner, c'est de faire gagner aux participants 6 mois. Je pense que c'est 6 mois d'erreur, six mois et de galère, 6 mois de boulettes intenses. Ouais. Je pense que si je devais aujourd'hui trouver une baseline, un slogan pour mon MOOC, c'est économiser 6 mois de boulettes en freelance, quoi. C'est ça, c'est les 6 premiers mois, vous allez aller droit au but, vous allez dans le premier mois, c'est-à-dire les 4 semaines du MOOC, vous aurez défini votre offre, vos prix, vous aurez pu vous confronter à la vision d'autres freelances, à la vision de professionnels, vous aurez accès à des partenaires, ça va vous faire économiser du temps et de l'argent et surtout créer une offre qui vous correspond, quoi. Voilà. Alors tout à l'heure, avant de commencer ce live chat, tu m'as parlé de quelque chose qui était très positif. Tu m'as dit, il y a quelque chose d'essentiel quand on gère son activité de freelance, c'est que les gens te veulent du bien avant tout. Ouais, ça c'est compliqué, à accepter en fait. Mais c'est qu'on a, il faut, c'est compliqué à accepter, c'est compliqué à mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'ennemis en freelance. Il faut sortir d'une vision de compétition. Et considérer tous les concurrents comme des partenaires potentiels, en fait, parce que vous savez jamais ce qui peut se passer, et même vos clients, évitez évidemment de vous embrouiller avec vos clients avec si vous êtes encore salarié, ne partez pas en claquant la porte. Non, vous savez pas qui va pouvoir vous donner du travail par la suite, et ce qui se passe, moi ce que j'observe tous les jours en freelance, c'est qu'on s'échange des missions entre nous. Donc il y a des gens qui ont des offres très proches de la mienne. Et qui m'appellent et qui me disent, ah là j'ai signé un gros truc, est-ce que tu peux m'aider sur ça? Donc il y a une certaine bienveillance. Alors effectivement, il faut avoir conscience des réalités. Il y a des gens qui vont essayer de vous voler des contrats, il y a des gens qui vont essayer de faire des choses négatives, mais c'est une goutte d'eau en fait. Et si vous arrivez en étant positif et en essayant de créer une communauté autour de vous, de freelance, de clients, ça ne va déclencher que du positif. Et je fais un parallèle, parce que là j'ai parlé des autres freelances, je fais un parallèle avec l'anecdote que je vous racontais tout à l'heure sur ce grand directeur qui m'a reçu. Il ne me voulait que du bien en fait. Et c'est ça qui est incroyable. On a parlé, au bout de 4 minutes, la conversation aurait dû être terminée. Là, l'offre ne correspondait pas à la demande. Merci, au revoir, rentrez chez vous. Non, on a parlé pendant une heure. Une heure à recevoir des conseils de quelqu'un qui avait 15 ans d'expérience, qui était polytechnicien et qui a essayé de trouver avec moi des solutions pour faire correspondre mon offre à ses besoins. Donc ça, c'est bien la preuve que dans l'état d'esprit, il faut être positif, il faut arriver à s'entourer de bonnes personnes, il faut arriver à se créer en fait son réseau professionnel. Exactement. Son réseau professionnel de freelance. Quand on est finalement salarié, on a ses collègues, on a son boss qui s'occupe, chacun a un rôle. Quand on devient freelance, il faut recréer ça de toutes pièces pour arriver à se créer la dynamique nécessaire à la pérennité d'une entreprise. Je te refais un lien direct avec Co-Home parce que c'est exactement ça. En faisant du co-homing, tu rencontres des freelances. Et comme tu es dans un salon, tu es chez des gens, tu es amené à discuter. Et ça, c'est hyper important, quoi. Discuter avec des freelances, discuter. Alors, pas que des étudiants, des freelances, des gens qui travaillent dans des boîtes. Il faut maximiser son réseau. Au bout d'un moment, les deux sont importants, le quantitatif et le qualitatif. Voilà. Il va falloir développer votre réseau au maximum. Ouais. Très bien.
Et bien, sur ces bonnes paroles, merci beaucoup Nicolas. Avec plaisir. On arrive à la fin du live chat. Est-ce que tu veux nous dire une dernière bonne parole pour motiver les freelances qui souhaitent et qui se posent en tout cas des questions sur leur avenir, pour les motiver à aller regarder au moins ce que tu fais et comment est-ce que ça va se passer sur le MOOC devenir freelance? Bah écoutez, non, ce que je peux vous dire, c'est on connaît tous, soit vous-même, vous avez envie de vous lancer en freelance, soit vous connaissez des gens. On est déjà pas mal nombreux sur la plateforme, il y a plus de 1200 freelances qui sont inscrits. Venez nous rejoindre, ça commence le 17 avril, donc lundi prochain. Ça va être hyper intéressant, il y a déjà des gens qui se sont présentés sur le... j'ai ouvert le forum pour faire connaissance hier, et il y a déjà des gens qui se sont présentés, des futurs freelances, des professionnels, et il y a des parcours qui sont passionnants. On a une dame qui s'est présentée tout à l'heure qui était ébéniste, qui maintenant fait du social media. Enfin, c'est ces parcours-là moi, qui me font rêver et qui me font me dire que bah, j'ai fait un truc de bien, un truc de coolos, quoi. J'ai envie que vous puissiez faire la même chose, c'est-à-dire avancer professionnellement et reprendre le contrôle de votre vie professionnelle. Super, merci beaucoup Nicolas. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain live chat.